Bonsoir à tous. Alors, pour faire cette deuxième vidéo sur l'Ayurveda, en fait, le simple motif de cette deuxième vidéo sur l'Ayurveda, c'est que j'ai oublié de vous préciser que les aliments trop acides, comme les cornichons au vinaigre, par exemple, ou bien le vinaigre, si on ne mélange pas dans une petite vinaigrette soft, c'est à proscrire aussi par rapport au régime ayurvédique. Alors là, je pratique un régime ayurvédique. J'ai appliqué un soin dans mes cheveux, un soin ayurvédique dans mes cheveux. L'idée est de retrouver l'éclat de jeunesse. Et donc, comme je pratique le régime de l'Ayurveda et que j'utilise un soin ayurvédique, normalement, je devrais arriver à retrouver l'éclat de jeunesse sans appliquer de soins. C'est-à-dire, ça devrait repousser en racine. C'est le principe de l'Ayurveda, c'est le but. Alors là, il y a un soin qui a été posé, mais je vais travailler ma racine. En fait, c'est un soin qu'ils appellent trichoripère. C'est un soin qu'ils appellent trichoripère. Et donc, j'essaye ce nouveau régime, mais c'est pas c'est pas vraiment pour ça que j'ai pratiqué ce régime. C'est plutôt pour éviter toutes les toxines qui sont mal éliminées par l'organisme et qui donc le vieillit. Ça fait partie des spiritualités vampires aussi, hein, l'Ayurveda fait partie aussi de ça.